into a comfortable position. I can't trip, simply see beyond the golden to stand on the passenger. Hello, neighbor. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for things I don't know. Bon matin tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Je viens de me faire un bon petit smoothie, mon classique du matin. Dedans j'ai mis des fraises congelées, des bananes congelées, du beurre d'arachide, puis de la peau de cacao. D'habitude je mets toujours des épinards congelés aussi, mais là j'en avais plus, fait que... ben j'en ai pas mis. Ça là, ça replace tellement le matin là. Wow! Ce matin, j'ai déjà vomi deux fois, de la bile seulement, c'était vraiment plaisant. Martin est parti à Chibougamau dans sa famille. J'aurais vraiment, vraiment voulu y aller avec eux. J'étais vraiment déçue de pas pouvoir y aller, mais mes maux de cœur en auto sont rendus dégueulasses. Dans la vie en général, ça va vraiment mieux. Il y a juste le matin encore que là, si je vois ou je sens ou tu sais, juste des affaires dégueulasses, ça me lève le cœur. Puis là, éventuellement, si j'ai trop le haut le cœur, je vomis. Mais en auto, c'est comme instantané, là. C'est horrible. Puis Chibougamau, c'est comme à 7h, 7h30 de route d'ici. Puis là, on aurait été toute cordée dans l'auto en plus. Puis là, j'aurais été en arrière. En arrière, on dirait que c'est toujours pire. Il fait chaud. Puis là, je sais que j'aurais pas aimé ma vie. Bref. Ça pour dire que moi je suis à la maison. Et puis là, je garde le petit chien de mes beaux-parents. Mais c'est ça, il a fait trois petits dégâts en fait. Hier, il a vomi sur mon tapis. Fait que là, j'ai vomi hier. Et puis là, ce matin, il a fait pipi et caca en dedans. Tout de suite en rentrant de l'extérieur, où est-ce qu'il a été pendant au moins 5 minutes. Fait que ça, je comprends pas vraiment. Et puis là, les deux fois séparés à essayer de les ramasser, ben j'ai vomi. Fait que c'est ça, fait du bien mon petit smoothie là. Ça replace. J'en profite souvent le matin. On dirait que c'est comme là que j'y pense le plus pour prendre mes suppléments en même temps que mon déjeuner. Fait que là, j'utilise les prénataux de My Kind Organics. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont bio, ils sont faits à partir de vraies plantes. La seule affaire, c'est qu'ils sont vraiment grosses puis ils puent. Dans le premier trimestre, je trouvais ça catastrophique les prendre. Ils me levaient le cœur, mais là, ça passe. Tu sais, c'est pas agréable, mais ça passe. Ensuite de ça, je prends des oméga prénatal. C'est important d'avoir des bons oméga pour le cerveau, pour le bébé, pour le développement, pour tout ça. Et finalement, je prends des probiotiques prénataux. Puis ça, c'est encore une fois la même compagnie que mes prénataux. Bon, je vais me préparer un petit peu pour la journée. Je suis tellement contente aujourd'hui. C'est une belle journée ensoleillée. Ça fait des jours qu'il pleut. En même temps, c'est le printemps, c'est normal. Il faut que le gazon, il pousse. Toutes des choses normales, mais ça fait vraiment, vraiment du bien de voir le ciel bleu puis le soleil. À chaque jour que je sais que je vais aller dehors, la chose numéro un que je mets sur mon visage, c'est de la crème solaire. Puis là aujourd'hui, vu qu'il fait super beau, oh, c'est sûr à 100% que je vais aller me promener dehors tantôt avec les chiens. Je vais marcher tantôt. J'alterne en deux sortes de crème solaire. J'aime beaucoup celle de Sunbum, la texture est vraiment le fun. Elle est FPS 30, puis j'aime beaucoup lui de La Roche-Posay, qui est FPS 50, fait que lui est plus fort. Les deux sont minérales puis teintées. J'aime vraiment le fait que ce soit teinté parce que même si je mets rien d'autre sur mon visage, on dirait que ça me fait juste un petit pompe, j'ai l'air déjà plus préparée pour la journée. Aujourd'hui, vu qu'il fait quand même soleil, je vais mettre celui de La Roche-Posay à FPS 50. J'en mets environ la quantité de deux doigts, là, environ. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai les joues rouges, c'est parce que je fais de la rosacée. Cette année, c'était vraiment une belle année de découverte au niveau de soins de peau. Je sais pas si vous connaissez Hyrum sur YouTube. Pour vrai, là, c'est genre mon gourou des soins de peau. Il est tellement fin, puis tellement attachant, puis ses vidéos sont tellement intéressantes. J'ai écouté absolument presque toutes les vidéos qu'il a faites. Puis il parle de, c'est ça, là, les ingrédients dans les produits, qu'est-ce qui est important pour quel type de peau. Fait que bref, j'ai réalisé que j'avais aucun soin de peau, voilà un an. Fait que là, je me suis toute créée un soin de peau spécifiquement pour ma rosacée.
Je finis de me préparer en mettant du déo. Je pense que j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais je les aime tellement, là. Native, si vous voulez sponsorer mes vidéos, ça me ferait tellement plaisir de parler de votre compagnie puis d'être payée. Mais c'est ça, j'aime vraiment leur compagnie. C'est tout fait d'ingrédients naturels. Puis ce que j'aime dedans, c'est qu'il y a des probiotiques, puis à ce qui paraît, c'est ça qui aide à empêcher les mauvaises odeurs. Puis c'est comme des bonnes bactéries qui empêchent le développement des mauvaises bactéries qui causent les mauvaises odeurs. En ce moment là, tout ce qui est au niveau de mes goûts puis de mes senteurs, ça a comme tout changé avec la grossesse. Fait qu'on dirait que toutes mes senteurs sucrées que j'aimais avant, on dirait qu'ils m'écœurent là, puis c'est ça, je me sens pendant la journée puis je suis comme, oh, on dirait que ça me tombe un peu sur le cœur. Fait que je vole les senteurs de Martin. J'aime vraiment ceux-là. Ça sent vraiment l'homme, puis on dirait que je trouve ça rassurant. Je suis comme, on dirait que ça sent comme, je sais pas, ça sent comme Martin. Là, je suis en train de réaliser que je vous ai jamais montré vraiment le résultat final de la salle de bain. L'affaire, c'est que c'est pas encore 100% fini, fait que je pense que c'est pour ça que j'ai comme pas montré comme le résultat final, mais je peux quand même vous le montrer là, parce que j'aime ça quand le monde, ils font attendre longtemps avant de dévoiler des choses. Fait que quand on rentre ici, on a nos laver sécheuses, puis c'est ça, là, j'ai tout sablé la petite tablette ici pour qu'elle soit un peu plus pâle parce qu'elle était vraiment orange avant. J'ai tout peinturé les armoires ici de rangement. On voit vraiment mal comme dans la lumière, mais c'est comme un beau vert gris beige comme. J'aime vraiment ça. Sur la petite tablette, j'ai mis plein de petites trouvailles de friperie. Vous me connaissez, moi, puis les passions friperie. Ça, c'est un vieux fer à repasser que j'ai trouvé dans un antiquaire. Des vieilles épingles à linge en bois, j'ai trouvé tellement belles, que j'ai trouvé au village des valeurs. Ça ici, c'est un petit cadre que j'ai trouvé à la friperie, puis j'ai juste fait imprimer une petite œuvre d'art que j'ai acheté sur Etsy. Puis ici, j'ai mon petit panier d'huile essentielle avec, bien sûr, une petite plante, parce que c'est quoi la vie sans plante? Puis là, on a fait installer du shiplap partout dans la salle de bain. Je trouve que c'est tellement beau. Je suis tellement contente du résultat. On a tout fait changer la douche. En fait, on a tout fait faire du beau carrelage en céramique. On a fait installer une petite niche ici. Petit rideau de douche. Puis là, avant, ça, c'était une armoire fermée. Mais là, on l'a ouvert. Puis dans le fond, on veut juste changer ces tablettes-là pour des belles tablettes en bois. Puis juste tout reboucher les petits trous pour que ça fasse plus beau puis plus fini. Ici, j'ai un petit pot avec du Palo Santo quand je veux faire des petits rituels spéciaux. Et bien sûr, on a changer le plancher aussi. Là, il est super sale parce que c'est le printemps, puis on a beau nettoyer les pattes à Luna, mais c'est ça la vie avec un chien, hein? Tout devient sale. Et finalement, ça, c'est mon coin favori. Je suis tellement contente de comment ça l'a tourné. Pour vrai, c'était vraiment comme ma vision dans ma tête. J'ai trouvé ce meuble-là sur Marketplace. C'est une vieille antiquité. Il m'a vraiment pas coûté cher. J'ai tellement passé d'heures dessus à le décaper, à le sabler. J'ai mis toute ma sueur et mon énergie dans ça. Puis je suis vraiment contente du résultat. Je l'ai tout scellé. Puis j'ai changé toutes les petites poignées d'armoire aussi. On a fait installer un beau petit lavabo, beau petit robinet. Ça, c'est les plus belles et les plus douces serviettes à main ever. Je les ai achetées sur la boutique par Fanny, de Fanny Yockel. Pour vrai, elle a tellement des belles choses là, sur son site. Là, j'ai le goût de toujours tout acheter. Puis c'est plein de belles petites entreprises québécoises puis locales en plus. Puis le luminaire puis le miroir, il était déjà là en fait. Fait que ça faisait juste tout bien matcher la vibe. Je suis vraiment contente de ça. Toi, t'es-tu contente de ça? T'es-tu contente? Bon, là, je vous ai montré sur Instagram un matin que j'étais en train de filmer aujourd'hui, puis je vous ai demandé s'il y avait des choses spéciales que vous vouliez voir, puis ça semble être unanime que vous voulez toutes voir ma bédaine. Fait qu'aujourd'hui, pile en fait, je suis à 20 semaines. J'en reviens pas que je suis déjà à la moitié. Comment c'est possible? On dirait que c'était tellement long le premier trimestre vu que j'étais extra malade puis que je me sentais vraiment pas bien. Fait que c'était long là, puis ça finissait plus de finir, on dirait, ce trimestre-là. Mais là, depuis que je vois mieux, là, on dirait que les semaines, ils passent tellement vite, là, c'est vraiment fou. Fait que je vais vous montrer ma bédaine. Là, soyez pas surpris, là, on dirait que tout le monde me dit qu'elle est énorme, puis je le sais qu'elle est énorme. Mais gardez en tête que je mesure 5 pieds 1, fait que tu sais, il y a comme pas grand place où est-ce que ça peut aller. Puis aussi, j'ai comme une bonne lordose, là, comme une bonne courbe lombaire, fait que j'ai l'impression que tout est projeté par en avant. Je sais pas pourquoi j'essaie de me justifier, là. Chaque bédaine est unique en son genre, puis c'est parfait comme ça. Je voudrais juste faire une mention spéciale à mon chandail Survivor que ma soeur m'a donné. C'est comme mon chandail le plus confortable que je porte en ce moment parce que
C'est comme une robe, là. Fait que je le porte tous les jours. C'est mon pyjama préféré. Fait que ça, c'est la bedaine à 20 semaines. Ça, c'est si je relâche tout, là. Fait que c'est pour ça, tu sais, je vous dis, j'ai l'impression, tu sais, si j'avais un dos plus droit, peut-être ça paraîtrait moins pire, mais là, mon dos, il est vraiment arqué. Fait que c'est ça, la bedaine de 20 semaines. Puis là, je me dis, je comprends pas comment que ça va faire pour comme encore doubler de grosseur. C'est fou. Là, on dirait que les douleurs, comme dans mes côtes en haut, puis dans le dos en arrière, ils ont commencé. Mais c'était déjà une douleur que j'avais avant de tomber enceinte. C'est juste que là, on dirait que ça a comme empiré, vu que là, t'sais, tout bouge, tout élargit, puis tout travaille différemment. Fait que, ouais, ça, c'est comme le côté le moins le fun. Est-ce correct? C'est tout pour quelque chose de bien. Je me suis changée. Je pouvais pas rester dans mon chandail de Survivor toute la journée, malheureusement. Là, je pense que je vais juste faire de la lecture bien tranquille jusqu'à l'heure du dîner. On dirait que depuis le début de la grossesse, j'essaie vraiment de prioriser prendre des journées de congé. Avant, j'avais comme pas vraiment de journée de congé, puis quand j'en avais, ben je travaillais sur comme d'autres projets. T'sais, il fallait toujours que je sois en mouvement, en train de faire quelque chose de concret. Mais là, c'est ça, j'essaie de vraiment plus comme relaxer, prendre du temps pour moi, puis juste comme savourer une journée de congé à faire qu'est-ce que je veux. Pas que je faisais pas qu'est-ce que je veux, mais j'essaie de prendre ça plus relax. Fait qu'il y a deux livres que je lis en alternance en ce moment. Il y en a un que j'ai juste en version Kindle, puis je le regrette un petit peu. Tous mes autres livres, je les ai achetés en version physique, papier, parce que c'est surtout des livres que j'ai goût de surligner dedans, puis que je vais vouloir reconsulter par la suite. Fait que le premier livre, c'est Hypnonaissance, la méthode Mongan. Puis je l'ai pas fini encore, mais à date, j'aime vraiment, vraiment le principe. Je trouve que c'est vraiment, vraiment empowering. Ça explique que c'est ça, le corps de la femme est fait pour accoucher, puis que la source de la douleur, ça vient souvent de la peur. Tu sais, quand on a peur, on se contracte, puis là, quand on est contracté, les muscles sont pas capables de bien relâcher, puis là, tout pèse sur des muscles qui sont pas capables de se relâcher, puis là, c'est ça qui amène de la douleur. D'où l'importance de, un, de pas avoir peur, puis d'essayer d'éliminer justement toutes ces pensées-là négatives qu'on a par rapport à l'accouchement, parce que j'ai l'impression que dans notre société, on entend tellement parler souvent de l'accouchement comme étant quelque chose de négatif ou d'épeurant. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, dans mon cas, depuis mon enfance, j'ai juste comme ingérer que l'accouchement c'était douloureux et épeurant. Puis un moment que t'avais hâte comme de skipper, mais en même temps c'est un rite de passage, là, c'est quelque chose de super beau, la naissance, tu donnes la vie là, dans le fond, puis le corps de la femme il est fait pour faire ça. Fait que c'est ça, c'est des techniques pour aider à éliminer ces peurs-là, puis à juste faire de la visualisation, de la méditation, des techniques de respiration pour essayer de vivre le moment le plus en douceur possible. Et puis le deuxième livre que je suis en train de lire que j'aime beaucoup, c'est Enemy's Guide to Childbirth. Ça, je pense que c'est la Bible qui est recommandée à tout le monde quand tu veux comme un accouchement ou une grossesse un peu plus comme naturelle. Enemy, c'est, je pense, la sage-femme la plus connue dans le monde. Puis c'est ça, elle a écrit un super beau livre qui est divisé en comme deux sections. Je l'ai pas fini non plus, mais la première moitié, c'est toutes des belles histoires positives par rapport à l'accouchement. Puis je trouve que c'est vraiment le fun de lire plein d'histoires positives, vu qu'on n'en entend pas vraiment souvent. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu beaucoup. Fait que c'est encourageant à lire. Puis la deuxième partie, c'est encore une fois d'autres techniques de respiration, puis tout ça. Et là, je suis vraiment rendue loin dans cette section-là, mais c'est ça, ça parle de plein de choses plus techniques par rapport à l'accouchement, puis tout ce qui est plus naturel. Fait que je l'aime beaucoup aussi. J'ai vraiment une bonne collection à date de livres que j'ai achetés par rapport à la grossesse, l'accouchement naturel, des valeurs pour élever des enfants de façon plus comme positive, puis tout ça. Fait que bref, je sais pas si jamais ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur mes livres favoris. Juste à me le dire en commentaire si jamais c'est une vidéo qui vous intéresserait dans le futur. Fait que sur ce, je vais aller faire la lecture. Thank you.
J'ai juste de me faire à dîner. Puis là, désolée en passant si vous entendez des bruits de machine. Il y a un gars de construction qui est en train de travailler sur notre terrain pour égaliser le terrain puis faire des affaires. Mon dîner, c'est rien de fancy, mais j'arrête pas de penser à ça depuis des jours. C'est une de mes amies l'autre fois qui m'a... Je sais pas pourquoi on parlait de qu'est-ce qu'on avait mangé. Puis là, elle m'a dit qu'elle avait mangé une sandwich aux tomates. Puis on dirait que ça m'a fait comme... réaliser comme, oh mon dieu, c'est vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé une bonne sandwich aux tomates. Fait que là, j'ai full le goût de manger des sandwichs aux tomates ces temps-ci. Fait que ça, c'est du petit pain de campagne que j'ai acheté à mon épicerie. Puis dedans, j'ai mis de la mayo vegan, de la moutarde de Dijon, un avocat écrasé, des tomates, de la laitue, sel poivre, pif pouf, simple de même. Là, je mange dans le salon parce que le gars, il travaille dehors, proche des fenêtres, dans la salle à manger. Puis je veux pas qu'il me regarde en train de me filmer moi-même parce que je trouve ça malaisant. J'ai tellement hâte de jardiner cet été puis de mettre des bonnes tomates de mon jardin dans mes sandwichs aux tomates, là. Tu sais, y a rien qui goûte meilleur que des fruits et des légumes que t'as fait pousser toi-même dans ton jardin. J'ai été marcher avec les chiens, puis après ça, j'allais faire une petite épicerie parce qu'il manquait des trucs pour ce soir. J'ai acheté des épinards pour mettre dans mes smoothies parce que ça prend ça. Puis là, j'ai vraiment le goût de manger des rouleaux de printemps. Pour vrai, des rouleaux de printemps, je pourrais manger ça matin, midi, soir, à chaque jour. Puis dedans, j'aime vraiment ça mettre de la menthe, puis j'en avais pas. J'avais pas de tofu frais, j'avais juste du congelé, puis j'avais pas pensé de me sortir un bloc. Puis là, j'étais comme, ça me tente pas de le faire dégeler. Fait que du tofu, manquait un concombre. J'ai acheté deux avocats mûrs parce que je sais que je vais en vouloir cette semaine. Puis là, lui que j'ai ouvert tantôt, il était comme un peu brun sur le bord, de plus être bon. Fait que j'en ai acheté deux autres. Puis là, pour vrai, là, cette grossesse-ci, là, les fruits m'attirent tellement. Là, à chaque semaine, j'achète toujours un fruit différent. Des fois, c'est des kiwis, des fois, c'est des pommes, des fois, c'est des oranges, des pamplemousses. Puis là, cette semaine, j'ai vu les mangues. Puis ils m'appelaient, là, ils avaient l'air tellement bonnes. Puis ils sont mûrs en plus, puis ils étaient en spécial. Fait que j'ai acheté des petites mangues. J'ai tellement hâte d'ouvrir ça pour en manger une. Manquait de citron. Puis j'ai acheté de la crème de soya. Une très petite épicerie qui a quand même coûté 40$ juste pour ça. C'est fou les coûts d'épicerie, comment ça l'a augmenté. Luna, tu veux une apparence? Tellement cute. Fait que pour souper, je me suis faite des merveilleux rouleaux de printemps. Je salive, ça a tellement l'air bon. Je sais que ça va être bon. La seule affaire, c'est que j'avais plus de sauce tamari. Puis la sauce tamari, c'est l'ingrédient magique. J'avais de la sauce soya, mais ça fait vraiment pas la même affaire. Vous pouvez mettre tous les légumes que vous avez. Moi, j'avais des poivrons, cocombes, carottes, de la menthe. La menthe, là, c'est vraiment très bon. Ça rajoute comme de la fraîcheur, puis juste un autre niveau, là. Et puis là, j'ai coupé des longues strips de tofu que j'ai fait revenir dans l'huile. Je rajoute un petit peu d'huile de sésame rôti, puis d'habitude je mets de la sauce tamari, mais là je n'avais pas fait que j'ai mis de la sauce soya. Je suis tellement essoufflée, il n'y a qu'à parler. Et finalement j'ai mis des vermicelles de riz. Puis pour la sauce c'est vraiment simple, j'ai utilisé de la mayo vegan. D'habitude j'utilise la sauce tamari, mais là j'ai utilisé de la sauce soya, de l'huile de sésame rôti, puis de la sriracha. Puis une autre sauce que j'aime faire, que Martin préfère lui, c'est du beurre d'arachide, sirop d'érable, sauce tamari, sriracha, huile de sésame rôti. Ça, c'est vraiment super bon aussi. Un petit peu d'eau juste pour que ce soit assez liquide, là. Fait que je vais manger mon souper en écoutant sûrement soit des vidéos YouTube ou une petite émission. Je vais relaxer, puis on se reverra quand quelque chose d'autre d'excitant va arriver. Je
viens juste de finir de prendre mon bain, c'était full relaxant. C'est fou à quel point avant d'être enceinte, je prenais pas souvent des bains. Puis là, depuis que je suis enceinte, là, quasiment chaque soir, je prends des bains, puis oh, c'est tellement relaxant. Je voulais vous partager rapidement ma routine de soin de peau avant le dodo. Fait que pour laver mon visage, j'ai utilisé ce nettoyant-là de Crave Beauty. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment la peau sèche puis super comme réactive puis sensible. Fait que ça me prend pas un nettoyant qui est trop intense, sinon comme ma peau est super sèche. Puis celui-là, il contient comme de l'huile de chanvre, du matcha, puis en tout cas plein de belles affaires. Puis il est full réhydratant, fait qu'il protège la peau. Ensuite de ça, j'utilise le Niacinamide de The Ordinary. Fait que ça, c'est vraiment pour aider au niveau des rougeurs, pour aider pour la rosacée. Ensuite de ça, j'utilise le Great Barrier Relief de Crave Beauty encore. Ça, c'est comme une crème hydratante sérum là, qui vient vraiment comme réparer la barrière protectrice de la peau. Il y a de l'huile de tamanu, de l'huile de rose musquée, des céramides, plein de belles affaires dedans. Fait que ça, je mets comme une à deux pompes. Il y a de l'huile de cartame aussi dedans. Et puis là, la dernière étape pour mon visage, c'est la crème hydratante, mais je l'ai oubliée dans ma chambre en haut, fait que on va faire ça après. Puis quelque chose de nouveau que je fais, c'est de hydrater ma bédaine et ma poitrine depuis que je suis enceinte. J'ai deux produits pour ça. Il y en a un que c'est une huile, puis un autre que c'est comme une crème bar. J'aime vraiment cette huile-là de Badger. Puis ce que j'aime, c'est que tous les ingrédients dedans, ils sont tous biologiques. Il y a plein de beaux ingrédients comme l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile de noix de coco, la vitamine E, plein d'affaires. Puis l'autre que j'utilise aussi, c'est le Earth Mama. Lui aussi, il est super naturel. Puis c'est aussi, il y a des ingrédients qui sont bio dedans. Je vais me crémer, puis on se revient après. Je suis dans mon lit. Je sais pas pourquoi je chuchote. Même si je suis seule, on dirait que c'est comme un réflexe. La dernière partie de mon skincare, c'est ma crème hydratante. J'utilise celle de CeraVe. Là, le soir, avant de me coucher dans le lit, j'aime ça souvent soit faire une méditation guidée ou sinon faire de la lecture. Je suis vraiment brûlée. Je suis vraiment fatiguée. Je pense qu'il n'est même pas 9h30 encore, mais c'est correct, j'écoute mon corps. Puis pour mes lèvres, quelque chose de nouveau que j'ai essayé, c'est ce baume à lèvres-là. C'est plus comme un masque à lèvres de la neige. Et voilà, je suis toute hydratée pour le dodo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop plate pour vous parce que je sais que j'ai pas fait grand chose de palpitant. Mais c'était le fun de juste passer une journée relax. Fait que sur ce, je vous aime beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!